C'est une visite historique, évidemment. Cette visite est une confirmation que cette réconciliation est bien arrivée entre toutes les divisions de la montagne, entre toutes les communautés de cette montagne, qu'elle est bien faite. On est en train juste que ce soit une confirmation et pour montrer que il y a une unité dans cette montagne, une unité de vision sociale évidemment et d'une vision politique du Liban et même de l'identité libanaise. Il y a une expression en arabe qui dit « quand la montagne va bien, le Liban va bien ». Et là, aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a une union par rapport à cette montagne et que cette montagne va bien, mais il faut que l'identité libanaise soit appliquée. Et dans l'identité libanaise, on parle évidemment d'une position du Liban qui soit neutre, une neutralité positive du Liban, ce que notre patriarche est en train de répéter tout le temps, la neutralité positive du Liban. Et quid du dialogue que le Hezbollah veut imposer aux Libanais ? Écoutez, notre point de vue, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir de cette situation dans laquelle on est aujourd'hui sans, évidemment, l'élection d'un président de la République. L'élection d'un président de la République va avoir besoin d'un certain dialogue. Après, la forme du dialogue, on peut discuter dans la forme de comment va se faire ce dialogue, mais un dialogue est nécessaire pour pouvoir arriver à l'élection au plus tôt d'un président de la République.